Nous, c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher pour le baou, Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure, vous pouvez regarder la vidéo ça. Et pas oublier qu'on sous Maman Pemba, qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi, c'est lundi 27 septembre 2021. Nous portons résumé actualité pour vous. C'est vraiment un résumé et bout la charge coulek bar. Commencez point t-shirt bar parce que information pour le tomber. D'après pour commencer avec information concernant PM Ariel Henry qui continue à frapper raide toujours depuis après le fin de juin. Bénédiction divers secteurs dans le pays et surtout communauté internationale là qui campait red de dol couke macaque. C'est défaite là, marché défaite, en série de mise en place que président qui te fait confiance te mettait sous pied. Première gros action que le te fait, c'était voyer trois membres dans gouvernement Jovenel là Boachat. Et bien PM qui suspecte dans assassinat président continuer à franchir route li sur un bulldozer tellement la marché écrasé. Dernier membre institution qui fait point en soufflette là, c'est membre conseil électoral provisoire que défunt président Jovenel Moïse Tenoméa qui fait joindre révocation yo. Plus détails à venir tout à l'heure comme ça. À noter que journée lundi 27 septembre 2021, c'est marqué journée mondiale touriste. Malgré Haïti, c'est un pays touriste plus méprisé dernier temps ça yo à cause de groupe gang yo qui fin acheter pays à la main autorité yo. PM Ariel Henry a participé dans sa yore les grandes causeries pour marquer célébration Journée Sila. Pendant ce temps, vague déportation a poursuivre. Jodi a plus passé une centaine de compatriotes haïtiens déportés dans le pays d'Haïti. Autorités américaines ont toujours dans l'idée pour justifier déportation massive. Sa yo annoncé que yon enveloppe a plus passé 5 millions de dollars déjà disponible pour le gouvernement haïtien à travers USAID pour supporter haïtiens qui déportent yo. Plus d'états à venir tel et comme ça. L'autre grand point qui a dominé l'actualité, nous pour le développer pour vous dans le résumé actualité, c'est concernant le phénomène insécurité. À kidnapping qui a fait tribobabo dans le pays d'Haïti, dans plus parce qu'il y a 21 personnes qui ont été kidnappées pendant la semaine passée, plusieurs ont joué une libération. Alors que quelques médias locaux parlaient de un citoyen dominicain bandit a kidnappé. Dans le bloc 400 Marozo a pas dirigé à Nabvinak de Taïtale comme ça. En parlant de République Dominicaine, en pile information, Capsi qui l'a fait quoi que Tirasta qui était proclamé tête li comme président Sénat haïtien en 2019, juin arrestation li. Dans le pays voisin, dans ce sens, Don Kato qui s'est une poche Tirasta yo réagi. Et Don Kato dans une interview li t'a pas fait, plein en pile pour visali américain coupé. Et même petit clip à voyager. Plus de détails à venir tout à l'heure comme ça. L'autre grand point qui a dominé l'actualité, c'est un phénomène différent qui a pris dans plusieurs côtés dans le pays. Le c'est pas pour gaz, c'est Kai qui a pris du feu. Je viens le 27 septembre, il y a un Kai qui a pris du feu. Il y a un moment avec tout petit clip passé en bas flamme du feu au Kankané. Plus de détails à venir tout à l'heure comme ça. Nous parlons pour nous faire passer dans ça qui vient pour un dossier assassinat président Jovenel Moïse. Côté juge Gary Aurélien te font monter dans Pèlerin 5 à le jouer ça te carré yon pièce théâtre avec habitants dans zone là. Pareil pour qui ça le pas t'inviter Jessifra ou bien Bicha dans tournage parce que c'est film qui t'a fait. N'a venir avec détail tout à l'heure comme ça. En parlant de assassinat Jovenel Moïse, m'a demandé moun qui qu'on habitué suivre Marchandise Haïti au prudent à conseil de moun cap dit petit président parler surtout sur Twitter. Donc, en apprenant fake déclaration, page petit président Jovenel Moïse vérifié et puis deux autres timounio, l'autre petit président Jovenel Moïse Junior, aka Jomarli Moïse, yon pas trop présent sur Internet, si toujours Jomarli, Jomarli, en pile faux tweet à psychiler depuis après assassinat président pour faire croire que c'est lui qui parle. Bref. Eh bien, avant nous entrer dans le détail, qui t'aime tout bas nous en ça, côté célèbre chanteur américain, on a parlé de Robert Sylvester Kelly, alias A. Kelly, risqué passer toute 13 villes en prison après un tribunal fédéral dans New York, car fin juin que monsieur coupable dans l'exploitation de jeune femme qui emballage 18 l'année, dans forcé au faire bagaille, abusé, forcé au prendre drogue, et monsieur même bayo yo maladie que. Monsieur, on m'a dit que monsieur fait qui est le herpès. Donc moun ki konn ba ça ou bien qui dans médecine konn ça herpès ça. Donc mes amis bagay yo pa piti même pour artiste A. Kelly
et même un jeune artiste qui t'a joué dans un film avec Jet Li qui est Aaliyah. Artiste a été mouru dans un accident avion dans Bahamas, t'est passé en bas où l'eau a quelqu'un. Donc bah il compliqué pour Akeli. Non moment n'a parlé là, majorité dans mesdames qui dénonçaient monsieur c'est moun ki noir yoyé et témoignage terrible. Plusieurs autres états dans USA accusé Toronto qui donc si avocat Akeli a pas fait appel probablement en mai 2022 qu'a venir là Akeli pour le connaître. Donc pire moment dans ville, combien l'année l'a pas gain pour le passer dans prison et monsieur risque passer toute reste ville dans prison parce que accusation au papi dit tout. Donc nous pas retourner pas bon la caille pas nous dans développement résumé actualité mais bien avant ça qui t'aime tout dit ou même cap garder vidéo ça li important pour encourager travail ça n'a fait parce que ça important pour inviter famille amis abonnés si vous t'es abonné déjà vérifiez pour si ti cloche notification a gagne deux oreilles si ou elle pas gagne deux oreilles c'est que ou pas jeune notification l'on la gagne vidéo et l'on fin garder vidéo ça ou mettre fin garder net jusqu'à la fin. Mon grand service n'a pas like li et puis copier link ça. Voyez dans plusieurs groupes WhatsApp, Facebook, partagez le tout côté net pour plusieurs monde capable informer parce que nous même dans marchandise Haïti, nous toujours bay information qui fiable. Nous pas courir des views, nous pas partager n'importe déclaration. Nous ka wè qui sont pour fait à gauche à droite, nous font camper sous bas. On nous gon déclaration révélation mon devoir fait ou Haïti a craser briser nous pas passer. Préférons pour tes révélations, on dit où est Haïti sauvé, où est ça, pour que bon bagage. Mais question malheur tout le temps, prophète à gauche, prophète à droite. Machin dit Haïti couper ça sec, nous pas ouvrir une code pour nous. Ok? Ça prouve que nous-mêmes, nous pas courir des views. Bouit chargé pas campagne, on va rentrer dans quelques cas parmi grands points qui ont dominé l'actualité à Jante Dilia. On a commencé la caille voisin en République Dominicaine, côté un tremblement de terre Haïti de 4.5 frappé capitale pays voisin. République Dominicaine dans la nuit lundi 27 septembre 2021. Selon info qui arrive à joindre salle nouvelle marchandise Haïti, il était dans 8h15 dans Assoué, le habitant dans diverses zones, tant que Las Frutas, San Isidro, Vista Hermosa, dans Santo Domingo, te senti terre tremblé. Pas une pièce de gars apparemment gen côté théa fait un tifan d'après quelques médias donc dans pays ici là pendant passage théa qui tremblait. À noter que dernier temps ça yo président dominicain Luis Abinadel a fait tout ça possible pour inviter l'autre pays mettre main à Kyo pour pacifier Haïti dans cause gang ça qui fait gros impact en sous pays lien apparemment jodi a. Selon quelqu'un sous ça, donc quelqu'un fait confiance, tagué. On dit tagué, ok? Tagué avion militaire dominicain qui a sillonné espace aérien haïtien. Selon info, donc qui t'a qui vivait chez nous, qui t'a fait quoi ça? Mais n'a bien pour nous vérifier info ça parce que lui vraiment sensible. N'a pas quitté pays voisin pour nous rentrer directement la Caïpan ou en Haïti. Côté situation, y a pas changé. Au contraire, c'est pis mal, y a vint pis mal. Et malgré Jean Saye, autorité américaine n'a pas suspendu déporté migrants haïtiens qui étaient massés en bas pont Del Rio dans Texas. Jeudi lundi 27 septembre 2021, un vol WAL 808 qui sortit des États-Unis dans Texas qui gagne environ une centaine de déportés haïtiens là-dedans atterri à l'aéroport international Toussaint Louverture. À noter que depuis vendredi passé, en bas pont Del Rio vide de coucoton et c'est plus passé 8000 migrants qui retournaient donc dans le pays Mexique pour éviter déportation. Arrivé dans le pays Mexique, gouvernement mexicain qui a géré une politique pour le sortir belle devant le monde face aux États-Unis décidé bah une assistance humanitaire qui mieux par rapport à américain. En pile, sept citoyens et organisations dans le pays Mexique ont vraiment bien accueilli les migrants haïtiens, surtout dans la ville Acuñas, et ont autorisé à prendre la rue selon quelques autorités locales sans problème, sans risque pour déportation. Alors que, avant ça, ce n'est pas ça du tout. En pile, haïtien a plaidé, même bus n'a pas qu'à prendre pour déplacer de une zone à qui ont l'autre zone et la police a empêché au marché. Donc, de toute façon, Mexique fait bel geste à migrants haïtiens.
Et l'autre bord, autorité américaine continue à pas justifier décision yo prend pour appliquer loi titre 42A qui était là depuis sous administration Trump là pour déporter plus passé 2000 migrants haïtiens d'après secrétaire d'État sécurité intérieure Mayorkas. Yo déjà disposé yon enveloppe à 5.5 millions de dollars américains pour assurer déportation migrants si la yo nan pays yo permettre yo réinstaller yo nan pays côté ou te sorti ya. Donc c'est l'agence USAID qui en charge comme si là. Bien que migrants si là c'est haïtien mais c'est Brésil et Chili qui ont été sorti. Mayorkas fait qu'on est donc ils ont déporté tout haïtien au Haïti qui allait en Haïti c'est parce que yo pas un document légal la pays côté yo t'a vivre là. À noter que en pile dans migrants si là j'étais résidentio avant de traverser dans pays États-Unis et malgré vague déportation ça yo et toute crise qui vient sous frontière mexicano-américaine là selon journal New York Post il y a des milliers de migrants en majorité haïtiens qui déjà en mi-temps en forêt darienne cap avancer en direction pays mexicain avec objectif pour entrer États-Unis moun sa yo qui déjà en route là semblé résier malgré tout ça qui a passé pour donc sous frontière pour capable al prendre humiliation pa yo donc non même américain en tout cas. L'autre grand point qui domine l'actualité, le Premier ministre Ariel Henry continue à faire et défaire comme celle qui chantait dans la tête du pays après révocation trois gros têtes qui ont été considérées comme rebelles dans le pouvoir Jovenel. Pour ça, il a décidé de craser KEP Jovenel qui a été formé à plate net. Un KEP qui était très contesté par le secteur opposition. Et bien, désormais, KEP Jovenel, là, c'est du passé. Bagaille comme ça n'a pas existé encore. D'après un arrêté qui publié dans le journal officiel PIA Le Moniteur, jeudi lundi 27 septembre, Pierre-Marielle Henry révoqué membre conseil électoral provisoire qui pas joué une bénédiction à la Cour cassation. Donc, Jean Santé a annoncé dans l'accord 11 septembre que divers partis politiques dans le secteur démocratique et populaire tessien, c'est un nouveau KEP tout neuf qui pourra le monter pour organiser l'élection. Jean Opposition a dévelé ça. Après révocation même KEP défunt président Jovenel qui te gagne mission pour donc défunt président Jovenel qui te gagne mission pour organiser élection à référendum Marjorie Michel et André Michel qui sont deux membres influents dans le secteur démocratique là pas de cacher contentement pour montrer qu'ils sont satisfaits pour choix ça que PM n'a fait Marjorie Michel fait qu'on est secteur démocratique et populaire pour acte deux premiers irritants li. Donc, il était souligné, évacué. Rockefeller Vincent, KEP Kreila, SDPA, Tan Kounia, Lapton, application accord 11 septembre. Quant à pour André Michel, qui a tant à prôner révocation de GPNH, là, Léon Charles, montrer que le satisfait de révocation membre KEP et puis fixer Ziel Kounia sous question sécurité. D'ailleurs, depuis bien bonheur, je dis à M. André Michel, demandé révocation Léon Charles dans tête PNH là. N'a pas gain pour une vienne sous ça tout à l'heure comme ça. Donc Pierre-Marielle Henry qui continuait à frapper sérieusement et d'après accord qui était signé 11 septembre passé là, c'est tout cabinet ministériel yo net qui pourra le changer, c'est un nouveau gouvernement qui pourra le réformer avec objectif pour voir tout partisan Jovenel qui était sous pouvoir. Donc al nan yon coin. C'est ça que fait nous ouais partisan Jovenel yo créé un mouvement qui est les jovenelistes. Dans l'idée pour capable continuer prôner idéologie Jovenel yo pour bataille yo tap menéen patin pendant ce temps phénomène insécurité a continué à valer terrain. Malgré ça dans occasion journée mondiale touriste là jeudi lundi 27 septembre là ministre touriste en présence premier ministre avec diverses autres autorités t'ai marqué date si là dans une grande causerie qui t'est faite pour comment yo ta va améliorer secteur si là qui vraiment touché par rapport à situation pays a touriste pas mettre pied en Haïti et c'est République Dominicaine qui a bien passé dans moment ça là dans secteur touristique là et dans tout l'autre sens il a bien passé mais quand même autorité yo té marqué date si là pas bon la caille pas nous en Haïti donc un phénomène insécurité a qui c'est une des plus gros problèmes pays a fait face quoi li là et moun yo qui te dit cause tout problème ça yo. C'était défunt président Jovenel Moïse là, il gagne plus que 2 mois depuis l'enterré et nèg qui te gagne folie pouvoir qui te mettait dans tête peuple là, dès que président parle là, toute bagaille a tourné dans l'ordre.
tout le monde pral vivre à l'aise dans sens ça yo même yo continue à changer parole gien ancien sénateur Antonio Cerami alias Don Kato matin qui réagi dans micro donc Radio Caraïbes nous en plus monde nous était capable d'entendre monsieur qui c'est un adversaire politique KPHTK il vient avec une autre parole by peuple à boire comme quoi ces partisans Jovenel dans PHTK qui continuent à faire kidnapping là. Donc en m'attendant des déclarations ça m'a posé tête moi question qui t'est nèg ça ou boire pour bluffer peuple là. Don Kato qui c'est un excellent chanteur tout le monde connaît ça déjà à part de une intervention monsieur t'ai fait pour question visa américain etc. Franchement Kato politicien pas qui ça l'a défendre franchement. Donc pour un président nous t'ai dit c'est lui le problème non, il pas là qu'on y a chercher l'autre excuse by peuple là. Comme quoi c'est allié lui qui a frappé. Alors que l'un de nos manifestations nous a baillé le peuple à faux espoir, c'est pas de ça du tout, nous te dit. En tout cas, j'espère que le peuple là est clair qu'on y a, donc côté l'IGAD. En parlant de Don Kato, faut que moi dis nous, tout a plein en pile pour visa l'américain coupé. Don Kato fait qu'on est, le papa a fait ça, américain besoin le faire hein, pour l'enlever, ça le dit yo. L'a pkembe parole li, mais cependant, les critiquer américain yo, non seulement qui coupe visa, li pa ka aloué petit li, mais yo campé petit li tout. Ancien sénateur qui te profité réagir sous arrestation Alexis Dave Schneider, alias Tirasta qui te autoproclamé tête li président sénat en 2019, eh ben monsieur joint arrestation li en République Dominicaine selon quelques médias sans que pa gen trop détails sur raison arrestation si la. Don Kato fait qu'on est li pral faire contact pour qu'on ait qui sa passé Tirasta pour qui sa dominicain arrêté. L'autre grand point qui a dominé l'actualité, c'est dans ça qui vient pour un dossier assassinat Jovenel Moïse. Juge instruction Gary Aurélien débarqué dans la zone de Caille Président. Jeudi 27 septembre, dans Pèlerin 5 ans, à monter. Donc, ça m'a qualifié de pièce théâtre. C'est seulement Jessifra ou bien Bichat qui te manqué pour film, ça a été bien monté. Imaginez où un juge qui a construit un gros dossier comme ça dans la République. Pour mener enquête et puis ou prend caméra la presse puis le journaliste a filmé ou cap fait théâtre posé Timaléré dans zone là question al fait yeux fixé sur Timaléré si là ou ciblé ou mettez la vie en danger donc conseil de Simagri ou regarder c'est seulement dans pays d'Haïti ou pour elle donc ça juge là al fait jodi là dans Pèlerin Cyclon pas gain l'autre nom que ça t'es ka gagner qui en pièce théâtre en tout cas film cap fait. Si vous avez côté de vous, vous ne pouvez pas c'est pour son important. C'est pas une question de base. L'autre nouvelle encore, c'est dans ça qui vient pour un phénomène de sécurité. À plusieurs monde qui étaient kidnappés pendant le week-end passé à jeune libération. Mais ça n'a pas empêché que le kidnapping chaque jour a continué. Des nouvelles qui t'a fait quoi que Bandi Axam t'a kidnappé un citoyen qui c'est un chauffeur dominicain, un chauffeur camion, depuis 22 septembre passé, par sa fabrique dans la presse dominicaine, monsieur le Wilson Rodriguez, qui travaille dans une compagnie transport qui est NFS. Et c'est dans la zone Croix des Bouquets qui a dirigé par 400 Marozo, qui t'a kidnappé. Donc, on a fouillé plus la zone en Kalalo, sous InfoSA, parce que nous avons sur toute réserve.
L'autre grand point qui a dominé l'actualité, dernier temps, ça a eu un phénomène de feu qui a pris le séparé en caille, c'est dans la pompe gaz. Jeudi 27 septembre 2021, il a eu un feu éclaté dans un caille dans la zone aviation, section à communale Petit Anse. Bilan des gars, c'est deux morts qui sont une maman et petit qui mourit quand on a difficile à éclater selon le premier élément info à cause gaz. Mon yo tapa stocké pour vendre dans un petit galon d'après journaliste Duvernay Guino. L'autre nouvelle encore, c'est dans ça qui est pour être un prisonnier politique. Nous connaissons depuis après l'assassinat président Jovenel Moïse, son seul bagaille. Divers secteurs, surtout secteur démocratique et populaire, a prôné ses libérations prisonniers politiques. Apparemment, après plusieurs mois, depuis un pile citoyen Silao qui est en prison pour position politique. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, lundi 27 septembre 2021, porte-parole secteur démocratique et populaire a annoncé audience concernant dossier policier Abelson Gouneg à Ronald Courtois a fait mardi 28 septembre l'an qui donc a demain s'est levé pour montrer le confiant donc par rapport à ce dossier il dit que yo pas continuer dormir dans Tiwa et le garanti commissaire gouvernement Port-au-Prince li pas capable là parce que d'après lui donc si j'ai c'est une recommandation yo ti fait dans cadre ça encore 11 septembre 2021 va préciser obstacle politique lié ancien ministre de justice à commissaire gouvernement Port-au-Prince avant été présenté dans dossier levé et depuis bien bonheur André Michel te gentan a pas parlé de gros chita parler qui t'a fait concernant donc membre KPO un Jean donc l'été dia et il a révoqué il t'a prôné tout révocation DGPNH Léon Charles est-ce que ça va lui une fête et d'après à quoi. Donc ça a fait quand même parce que c'est nouveau cabinet ministériel qui va le former. En écoutez, André Michel qui t'a accompagné à Kamet Amel Rémy, dans le micro avec devant caméra Machandzin Haïti. C'est le citoyen qui est là, l'avocat qui est là. C'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire. Et d'abord, la question de sécurité à nous constater qu'on remontait du climat d'insécurité à Port-au-Prince. On remontait des actes de kidnapping à Port-au-Prince. Et nous tous nous connaissons que notre pays, Haïti, a été gangstérisé pendant les 10 dernières années. PHTKistes, jovenelistes, ils ont tous marqué Jovenel Moïse. La politique qu'ils ont appliquée dans ce pays pendant les 10 dernières années, c'était une politique criminelle. C'était utiliser Gagnon pour prendre contrôle du quartier populaire. Nous tous connaissons, c'est Jovenel qui était fait Genève. Bon, on ne va pas parler mal des gens qui mourent, mais il faut toujours dire la vérité. Ça veut dire que ça, ça n'a pas vu là aujourd'hui, hein, c'est la résultante de la politique criminelle qui a été menée dans ce pays par l'équipe PHTK et alliés. Et aujourd'hui, hein, nous demandons que des changements puisse se réaliser au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Nous positionnons PAM comme citoyen. Pour nous, comme citoyen, pour nous, comme avocat, il est évident que le leadership de la police nationale d'Haïti a failli à sa mission de garantir l'ordre public. Je n'ai aucun problème avec M. Léon Charles. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Beaucoup j'aime rencontrer un jour dans la ville. Je n'ai pas de problème personnel avec lui. Mais la vérité, c'est que ça fait un bon bout de temps, depuis qu'il dirige l'institution policière, il a totalement failli. Il n'a pas pu mettre de l'ordre dans la cité. Il n'a pas pu protéger les citoyens. D'ailleurs, même Jovenel Moïse, il n'a pas protégé. Et depuis le sang, en principe, il aurait dû donner sa démission. Parce qu'un chef de la police qui n'arrive pas à protéger le président, même s'il est un président de facto, c'est un chef de la police qui ne peut protéger personne. Si Léon Charles n'a pas protégé Jovenel Moïse, et pas moi avec vous, il va le protéger. Bref, il faut des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et M. Ariel Henry, le Premier ministre, doit assumer ses responsabilités. D'ailleurs, l'accord du 11 septembre 2011-2021 pour une gouvernance apaisée dit très clairement, il faut gagner de changement, il faut gagner trois lettres, il faut gagner coup de balai qui fait
au plus haut niveau de la police nationale d'Haïti que on prend responsabilité. Nous condamner ça va passer hein, parce que le pays a pris en otage et des groupes criminels qui ont toujours été et qui sont encore à la solde de cette équipe qui a dirigé le pays pendant 10 ans qui continue de créer le chaos dans ce pays. Il faut mettre de l'ordre et vous allez dire nos bagailles. Puis gros mal qui est arrivé au pays d'Haïti, c'est si c'est même Mounsaïo qui vient reprendre le pouvoir encore. Ça veut dire si qu'on y a yo gagne une prochaine élection qui a bien pour faire yo, si le pays a gagné 1000 chefs gang, 1000 assassins, 1000 criminels, la multiplié par 100 et d'atteindre bien 100 000. Voilà la responsabilité de la population. En ce qui concerne le dossier des prisonniers politiques, et nous tous nous connaissons, M. Arnel Remitil, M. Maisonneuve, Sotil. Il y avait des obstacles sur le chemin de la libération des prisonniers politiques. Malgré tout effort, M. Maisonneuve fait, M. Arnel Remitil fait. Malgré tout effort, M. Caleb Jean-Baptiste fait. Malgré tout effort, M. Camille Leblanc fait, M. Palvin, tout l'autre avocat est fait. Il n'y a pas de gens capables de libérer les prisonniers politiques. Parce que quand vous intentez une action en habeas corpus, la Constitution dit très clairement que le doyen décide sur les conclusions du commissaire du gouvernement. Automatiquement, le commissaire du gouvernement n'est pas venu, ça veut dire action n'a pas aucune chance pour l'aboutir. Et c'est ce qui s'est passé avec les différents dossiers, quitte ces dossiers à Belson Bonnet, quitte ces dossiers à Anel Belize, qui lit Babas, dossier Enalcou 3, etc. On n'a pas pu obtenir les résultats escomptés parce qu'il y avait des obstacles. Claude Bedford était là au parquet de Port-au-Prince. Ophélie Vincent était là comme ministre de la Justice. Avec l'accord que nous avons signé, nous disons que les obstacles politiques, en principe, ont été levés. Et demain, le Cécoudroit, le Cécoudroit, il a passé devant Bernard Saint-Ville. Et je demande à M. Bernard Saint-Ville, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, d'assumer ses responsabilités. De comprendre, quitte c'est Rinald Courtois, ce policier qui a été arrêté injustement, illégalement, quitte c'est Abelson Brunet, ce sont des prisonniers politiques, il est venu le temps de les mettre en liberté. Et la première responsabilité de ce gouvernement, c'est de faciliter l'évacuation des dossiers des différents prisonniers politiques. Il y a aussi une interdiction de départ qui a été prise par Jovenel Moïse contre Maître Joseph Messène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Ce dossier sera plaidé par devant le doyen d'ici mercredi. Là encore, le doyen pourra assumer ses responsabilités. Quel dossier prisonnier politique qui n'a pas d'appel? Anel Bélisère, Kilig, Joannel Paul, Gary Philemon et consort, dossier ça n'a avancé avec lui. Matin, on parle avec M. Camille Leblanc, qui est capable et qui a plus d'expérience. En même temps, non, il faut toujours apprécier l'expérience de l'autre, surtout en matière de droit. Il travaille actuellement son requête pour nous capables de mettre en état, pour nous capables de faire dossier prisonnier politique, ça y est. Plaider devant cour d'appel le plus vite possible. Parce que pour nous, pas capable d'un obstacle. Pas qu'un commissaire du gouvernement qui doit venir en audience. Pas qu'aucun commissaire du gouvernement qui a campé pour doit bloquer le dossier. Parce que M. Ariel Henry s'est engagé dans l'accord pour faire évacuer les dossiers des prisonniers politiques. Nous pas capables de prisonniers politiques. Prisonniers politiques, vous dit, c'est des gens qui ont arrêté pour opinion politique. Ils ont arrêté parce qu'ils étaient contre la manifestation. Ils ont arrêté parce qu'ils ont dit qu'ils ont des problèmes avec PHTK, avec Jovenel Moïse. Ce sont des prisonniers politiques. Il faut les libérer. Les dossiers avancent. Et je félicite mes confrères et consoeurs qui sont là pour l'effort qu'ils ont fait dans le dossier. Je félicite M. Caleb, Jean-Baptiste. Je félicite M. Leblanc. Mettre la fortune, mettre Palvin, toute l'autre, parce que les dossiers des prisonniers politiques n'ont pas de maître. Pas de monde qui met le dossier prisonnier politique, parce qu'il n'y a pas d'honoraire à partager dans ces dossiers. Par contre, nous allons libérer devant le barreau tous les avocats, toutes les avocates engagés dans ce combat, nous devons mettre tête au travail pour tenir le plus vite possible la libération des prisonniers politiques. Et moi, espérer, semaine ça même, n'a commencé à joindre résultat. Je le redis encore une fois, la première responsabilité de ce gouvernement,
attention monsieur Ariel Henry, attention Doyen, attention commissaire du gouvernement, la première responsabilité de l'État aujourd'hui est de faire libérer les prisonniers politiques. Nous attendons le gouvernement à l'heure, nous attendons les autorités judiciaires à l'heure, parce que demain, nous pourrons plaider pour de là-dedans, après nous appeler d'interdiction de départ mécène, et dans le jour qui vient, nous prenons le coup d'appel pour Anel Bélizé, Kilik, Baba, Joanel Paul, Philemon et Latrié, il faut faire avancer cette dossier. En ce qui concerne les attributions de M. Ariel Henry, est-ce qu'il a révoqué Jean-Charles Silva Gabar? Qui est-ce qui a signé l'arrêté qui nommé actuel ministre de Justice là, en place pour Philippe Vincent? Qui est-ce qui a nommé M. Josué Pierre-Louis comme secrétaire général du Conseil des ministres en remplacement de M. Libéris? C'est Ariel Henry. Cela veut dire quoi? Nous sommes dans une situation exceptionnelle et l'accord politique donne une provision spéciale à M. Ariel Henry pour agir en ce sens. Oui, il peut et oui, il devra le faire. Parce que nous n'avons jamais capable de quitter le pays à craser et puis Léon Chalap n'a pas osé et puis il n'est pas capable de garantir la sécurité des citoyens. C'est simple. Maintenant, en ce qui concerne et Bagouin, nous n'avons plus de pitié pour lui. Tu vois, nous n'avons plus de pitié pour lui, il ne comprend absolument rien. Je me demande est-ce qu'il n'a pas perdu le Nord. Il ne comprend rien. Au côté, nous avons des gens qui disent que c'est secrétaire à la présidence. Que c'est conseiller président qui a parlé. Mon président a mouru et puis on l'a toujours. Bref, ça n'a aucun sens. Et moniteur pas sous responsabilité. Le président a mouru et puis il l'a lui-même, il dit au chef. Le conseiller président, c'est lui qui a capturé par le président a mouru toujours là. Non, soyons sérieux. Non, ça n'a aucun sens. Bref. Et moi, je crois que c'est des questions, à mon sens, qui ne vont pas poser du tout. Qu'est-ce qu'on appelle un contexte spécial? Le 7 juillet 2021, M. Jovenel Moïse, président de facto, a été exécuté chez lui. Étant donné que l'heure où tu es là, mandat de guette en fini, étant donné que toute institution crasée, cela a plongé le pays dans une situation particulière. Et là, on a une situation particulière. Ça veut dire pas une provision constitutionnelle pour faire rien. Pas une provision constitutionnelle pour mettre un gouvernement. Je dis, ah, parce qu'on n'est pas capable. On est obligé de recourir à un accord politique. L'accord politique crée ce que nous appelons en science politique le droit de la crise. C'est comme ça le fait partout à travers le monde. Et le droit de la crise, qui est l'accord du 11 septembre 2021, donne à M. Ariel Henry, provision pour agir pendant cette période spéciale en attendant que gagne l'élection qui fait et que le pays soit confié à des autorités légitimes sorties d'élections libres, honnêtes et démocratiques. C'est la règle. C'est comme ça le fait chaque fois. Dans un contexte spécial, on fait un accord. L'accord permet de traverser la période spéciale en attendant qu'on retourne à l'ordre démocratique, au fonctionnement régulier des institutions. Et ça, il faut le comprendre. Zéro risque. Il n'y a aucun risque. Et au moment où je vous parle, bon, on va devenir pour ça. Parce que je me dis, c'est pas politique qu'il a, c'est l'avocat, c'est le citoyen. Mais comme disait le professeur Maniga, c'est un seul livre de rêve, m'a répondu. Et écoutez. À quoi? Obligé à appliquer. Et pendant que je parle avec vous là, il y a une discussion qui a faite. Je vais commencer le processus pour monter le conseil électoral provisoire. Pendant que je parle avec vous là, il y a une discussion qui a faite pour la mise en place du gouvernement de consensus. Je vais commencer. Et pendant que je parle avec vous là, demain, si Dieu veut, nous allons plaider à Biasco pour ça. Et parquet a obligé présent. Avant! Chaque fois que les gars se repoussent, le commissaire du gouvernement va jamais là. Parce qu'il y avait des obstacles. Mais demain, obligé que le commissaire du gouvernement n'a pas là. C'est l'accord qui a déjà commencé à prendre. Opinion pas moins, je vais vous dire deux bagages. Première chose, dans une république, personne n'est au-dessus de la loi. Si M. Ariel Henry, il y a des questions pour répondre à la justice, dans le cadre de l'assassinat de M. Moïse, il doit constituer avocat pour assurer sa défense. Ça, c'est un, c'est un principe. Deuxièmement, pour moi, M. Henry, il fait un coup magistral. Parce que devant les Nations Unies, nous demandons un trait judiciaire international. Attention, hein?
avait dit, monsieur Mandé, pour qu'on enquête internationale sur l'assassinat Jovenel Moïse. Il avait dit, le prêt pour le mettre à la disposition de la justice. Parce que si vous avez une enquête, il y a tant de tout, il y a tant de tout le monde. Parce qu'on a son dossier, on a essayé mal connotation par eux. Mais avec cette demande d'entraide judiciaire internationale, qu'il a produite par devant l'Assemblée générale des Nations Unies, pour moi, sont avancées spectaculaires dans le dossier ça. Parce que moi-même, en tant que citoyen, j'ai bien aimé connaître qui est-ce qui détruit le Jovenel Moïse et pour qui ça, il va assassiner. C'est le principe. Bref, il faut attendre. Non seulement il y a un juge d'instruction qui travaille sur le dossier, et deuxièmement, il y a une demande d'entrée judiciaire internationale qui a été produite par devant les Nations Unies. Ça veut dire que ça, c'est un dossier qui fait son cours. Pas d'anticipation, nous devons attendre. Moi-même, moi, besoin qu'on ait. Qui est-ce qui fait bagaille ça? Côté complicité assorti, qui est-ce qui paye l'argent pour faire bagaille ça? Combien de corps qui dépensé? Quels sont les motifs? Quel est le mobile? Je veux savoir. Premièrement, c'est pas André Michel, il ne faut pas personnaliser le débat, c'est le secteur démocratique et populaire. Et là, c'est pas vraiment où ça me vient dans la conférence aujourd'hui. Tout compte fait, Jovenel Moïse était un assassin. Jovenel Moïse était un chef de gang, c'était un parrain avec ta famille avec. Ariel Henry, jusqu'à preuve du contraire, son médecin, c'est un professionnel, 71 ans, il a plus que 40 ans depuis le médecin, gros jambes dans le massacre à Saline, il ne faut qu'on massacre Bel Air, il n'y a pas de massacre Cité Soleil, nous estimer nous capables de chiter avec nous. Hein? Mais pourtant, non, si. Bon, pas besoin de vous. Si vous avez tout ça, ou même, si. Je cite non yon moun nan assassinat Jovenel Moïse pour qu'on doit choisir Bachita Adel. Mais moi-même, je suis Bachita Adel.